Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les types de phrases. Il y a quatre types de phrases. La phrase interrogative, la phrase exclamative, la phrase déclarative et la phrase impérative. Et on peut mettre chacune de ces phrases soit à la forme affirmative ou bien négative. On commence par la phrase interrogative. La phrase interrogative sert à poser une question. À l'écrit, elle se termine toujours par un point d'interrogation. Et il y a plusieurs constructions possibles pour formuler une phrase interrogative. Par exemple, on peut faire l'inversion du sujet, c'est-à-dire on place le sujet après le verbe. Par exemple, puis-je entrer? Et on peut commencer la phrase par « est-ce que ?» Par exemple, « est-ce que tu as fait tes devoirs ?» Et on peut utiliser des mots interrogatifs comme « quel ?»,« combien ?»,« comment ?»,« où ?», etc. Par exemple, « quel âge as-tu ?» Passons à la phrase exclamative. La phrase exclamative sert à exprimer un sentiment, colère, surprise, joie, ou bien exprimer un jugement. Et on place à la fin de la phrase un point d'exclamation. Et on peut utiliser des mots d'exclamation suivants. Par exemple, comme il fait beau aujourd'hui, quelle chance a-t-elle? Quel est beau? Et maintenant, la phrase déclarative. C'est le type de phrase le plus souvent utilisé. Elle sert à constater ou déclarer quelque chose, raconter un événement, donner une opinion, et elle se termine par un point. Elle comporte un ou plusieurs verbes conjugués. Par exemple, aujourd'hui, ma petite sœur est malade. Et enfin, on a la phrase impérative. Cette phrase sert à faire agir ou réagir, donner un ordre, un conseil, exprimer un souhait, une demande, une invitation, une interdiction ou bien une prescription. La phrase impérative a un verbe à l'impératif ou à l'infinitif et elle se termine par un point ou parfois un point d'exclamation. Par exemple, restons ici, donne-moi un stylo. Il peut y avoir des phrases impératives sans verbe. La plupart du temps, elles se retrouvent sur des affiches ou des publicités. Par exemple, stationnement interdit. Il existe aussi des phrases impératives réduites à une interjection. Par exemple, stop. Et maintenant, on va faire un petit exercice. Définissez les types des phrases suivantes. Demande des explications à ton professeur. Comment s'appelle ton chat? Il fait beau aujourd'hui. Quel talent! Ne fais pas d'erreur cette fois-ci. S'il vous plaît, combien coûte ce collier? J'ai un chien et trois chats. Deux aussi mignons les uns que les autres. Je vais à l'école chaque jour à vélo. Tu as terminé tes devoirs bien rapidement, je trouve. Et je vous laisse, mes chers élèves, un petit moment pour définir les types de ces phrases.
On commence la correction. La première phrase demande des explications à ton professeur. Cette phrase exprime un ordre ou un conseil. Donc, il s'agit d'une phrase impérative. La deuxième phrase, comment s'appelle ton chat? C'est une question. On s'attend à recevoir une réponse et la phrase se termine par un point d'interrogation. Donc, il s'agit d'une phrase interrogative. La phrase suivante. Il fait beau aujourd'hui. On déclare un fait. C'est une phrase de base, donc déclarative. La quatrième phrase. Quel talent ? C'est une phrase exclamative. Pourquoi ? Car il y a un mot d'exclamation. Quel ? Et la phrase se termine par un point d'exclamation. Donc, il s'agit d'une phrase exclamative. La cinquième phrase. Ne fais pas d'erreur cette fois-ci. C'est un conseil ou bien un ordre. Donc, c'est une phrase impérative. La phrase suivante. S'il vous plaît, combien coûte ce collier? On se questionne sur le coût. Donc, on pose une question. Et la phrase se termine par un point d'interrogation. Donc, il s'agit d'une phrase interrogative. La phrase suivante. J'ai un chien et trois chats, tout aussi mignons les uns que les autres. C'est une phrase déclarative. On raconte un événement, on déclare un fait. Donc, il s'agit d'une phrase déclarative. La phrase suivante. Je vais à l'école chaque jour à vélo. On raconte un événement. Donc, c'est une phrase déclarative. La dernière phrase. Tu as terminé tes devoirs bien rapidement, je trouve. Ici, on déclare quelque chose, un événement, un fait, donc c'est une phrase qui est déclarative. C'est tout pour aujourd'hui, mes chers élèves. J'espère que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la prochaine vidéo. Inch'Allah, prenez soin de vous. Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment peut-on proposer, accepter ou bien refuser une idée. On commence par la proposition. Proposer, c'est-à-dire suggérer une idée. Pour bien comprendre, je vais vous donner un exemple. Karim vous proposait à ses collègues de se réunir à 16 heures. En leur disant, ça veut dire de faire une réunion à 16 heures? Si vous remarquez bien, dans cette expression, Karim a utilisé ça veut dire. Donc c'est une expression pour proposer. Et il y en a d'autres expressions qu'on peut utiliser pour proposer, comme l'impératif affirmatif. Par exemple, allons faire un peu de sport. Ou bien, l'indicatif interrogatif. Par exemple, veux-tu sortir avec moi? Et on peut utiliser aussi et si plus l'imparfait. Par exemple, si on allait au cinéma. Passons à l'acceptation. Accepter, c'est-à-dire donner son accord. Par exemple, ici, le collègue de Karim a donné son accord en disant « Oui, ça marche ». Et on peut utiliser d'autres expressions pour accepter. Par exemple, « Oui, je suis d'accord, j'accepte, volontiers. Oui, ça me convient. Oui, avec plaisir. » C'est une bonne idée. Ou bien, bonne idée. D'accord.
Pourquoi pas ? Oui, samedi. Ça marche. Et si on refuse la proposition ? Refuser, c'est-à-dire ne pas accorder ce qui est proposé. Par exemple, la collègue de Karim a refusé sa proposition en disant « Non, désolé, je suis un peu surmenée. » Elle a utilisé l'expression « Non, désolé. » Et on a d'autres expressions qu'on peut utiliser pour refuser une idée. Par exemple, « Non, je ne suis pas d'accord. » Je n'accepte pas. Je refuse. Non, merci. Je suis désolée. Mais ce n'est pas possible. C'est dommage, je ne peux pas. Non, malheureusement, je ne pourrai pas. Je ne suis pas disponible, mais la prochaine fois. Pourquoi pas une prochaine fois ? Et maintenant, on passe aux exercices. Le premier exercice, répondez en variant les expressions. La première proposition, tu veux un café ? La deuxième, mardi soir, ça te convient ? La dernière, la réunion est à 10 heures, ça te va ? Et je vous laisse un petit moment pour le faire. Passons à la correction. Bien sûr, on n'a pas une seule réponse, chacun peut répondre différemment. La première phrase, tu veux un café ? On peut répondre, non, merci. La deuxième phrase, mardi soir, ça te convient ? On peut répondre, oui, parfait, ça me convient. La troisième proposition, la réunion est à 10 heures. Ça te va ? Non, désolé, je serai occupée. Passons au deuxième exercice. Proposez les activités suivantes à vos amis. La première activité, déjeuner ensemble mercredi. Deuxième activité, aller voir un film. Demain soir. Et la troisième activité, prendre un café ensemble. Et je vous laisse un petit moment pour formuler vos propositions.
Passons à la correction. La première activité, déjeuner ensemble mercredi. On peut dire qu'en proposition, et si on déjeunait ensemble le mercredi? Si vous remarquez bien, j'ai utilisé « et si on » plus l'imparfait. Passons à l'activité suivante. Allez voir un film demain soir. On peut dire « allons voir un film ». Qu'est-ce que j'ai utilisé? L'impératif, le verbe « aller » à l'impératif. Allons, allons voir un film. La troisième, prendre un café ensemble. On peut dire, on prend un café ensemble? Si vous remarquez bien, j'ai utilisé une phrase interrogative. C'est tout pour aujourd'hui mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, prenez soin de vous. Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment peut-on présenter des personnages et des lieux. Et comme d'habitude, on va commencer par des exemples. En commençant par le premier exemple, ici on a Ali qui veut présenter Leïla à Kerim en disant « Je te présente Leïla. Je te présente Leïla. » Si vous remarquez bien, Ali a utilisé le verbe « présenter » en disant « je te présente Leïla. » Passons au deuxième exemple. Mourad veut présenter la ville. Et il a dit, si la ville où je suis né, si la ville où je suis né. Si vous remarquez bien, pour présenter la ville, Mourad a utilisé « c'est ». Donc, il a utilisé un présentatif « c'est ». Et on peut utiliser d'autres expressions pour présenter des personnages et des lieux. Comme les présentatifs « c'est »,« ce sont »,« voici »,« voilà ». Et on peut utiliser les démonstratifs comme « ce », cette, cette, c'est. Et enfin, on peut même utiliser des verbes. Par exemple, le verbe être, le verbe présenter, le verbe se nommer, le verbe s'appeler, se trouver, et le verbe se situer, etc. Et maintenant, pour bien comprendre, on va faire un petit exercice. Formulez un énoncé pour présenter ton ami à tes parents. Un guide présente une ville à des touristes. Et je vous laisse un petit moment pour formuler des énoncés.
Et maintenant, on va faire la correction. Et bien sûr, on n'a pas une seule réponse. Chacun peut l'exprimer différemment. Présenter ton ami à tes parents. On peut dire « Je vous présente mon ami et s'appelle Amine. » Si vous remarquez bien, j'ai utilisé le verbe « présenter » et aussi j'ai utilisé le verbe « s'appeler ». Un guide présente une ville à des touristes. On peut dire « Si la ville de Tanger, elle se trouve au nord du Maroc. » Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé « c'est » et on a utilisé le verbe « se trouver ». Si la ville de Tanger, elle se trouve au nord du Maroc. C'est tout pour aujourd'hui, mes chers élèves. J'espère que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la prochaine vidéo. Inch'Allah, prenez soin de vous.